le Seigneur nous bénisse encore en ce matin. Nous nous retrouvons pour une parole d'encouragement en ce début de la semaine. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour et ta bienveillance. Toi qui nous as aimés les premiers, toi qui continue encore à nous manifester ton amour et ta grâce en ce matin. Merci à toi qui nous a conservé la vie et merci à toi qui nous fait grâce d'être là encore en ce matin avec ton peuple. Bénis les temps que nous allons passer ensemble. Bénis ces temps dans les cœurs de tout un chacun. Laisse que ces paroles que nous allons nous communiquer dans l'amour puissent trouver une place de choix dans les cœurs de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En ce matin, j'aimerais que nous puissions lire dans la première épître de Jean, le troisième chapitre. Et le premier verset où l'apôtre nous dit ceci. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. En ce matin, une fois de plus, je viens pour vous dire que vous devez croire à l'amour de Dieu. Croyez à l'amour de Dieu. Et l'apôtre Jean nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il y a un amour que le Père nous a témoigné, que le Père t'a témoigné à toi, que le Père m'a témoigné pour que je sois appelé enfant de Dieu, pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Voyez quel est cet amour, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Bien-aimé, l'amour de Dieu ne doit pas être mesuré à partir des considérations humaines. L'autre fois, je vous disais, il n'est pas mesuré par les sentiments que nous avons. Parce que les sentiments peuvent varier selon les circonstances. Et ce n'est rien d'autre que les impressions. Ces impressions peuvent être nobles ou ces impressions peuvent être défaillantes d'un jour à l'autre, selon ce qu'on est en train de traverser, selon ce qu'on est en train de vivre. Mais l'amour de Dieu demeure toujours. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc il ne doit pas être mesuré par des considérations humaines. Mais l'amour que Dieu nous a témoigné doit être mesuré uniquement à partir de la croix. À partir de la croix. De telle sorte que pour savoir que Dieu t'aime, que Dieu m'aime, je ne dois pas regarder aux choses passagères. Je ne dois pas regarder aux circonstances environnantes. Je ne dois pas regarder aux situations dans lesquelles je suis en train de passer, les situations que je traverse.
Tu ne dois pas regarder à toutes ces choses, mais je dois regarder à la croix pour comprendre les témoignages de l'amour de Dieu, la véracité de l'amour de Dieu. Tu dois regarder à la croix. Et c'est pourquoi ce matin, une fois de plus, je te l'ai dit, tu dois croire à l'amour de Dieu. Des fois, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes et que nous n'apprécions pas cet amour de Dieu à notre égard. Nous n'apprécions pas l'amour que Dieu nous a manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Et l'apôtre nous dit, voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Le témoignage de son amour est tellement fort. Le témoignage de son amour n'a rien de semblable de ce que nous sommes en train de voir, ni de ce que nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Ça n'a rien d'égal. Ça n'a rien de semblable. C'est tellement fort. La parole nous dit, il nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé l'homme qu'il a créé. Il a tant aimé l'homme qu'il a tué. Et dans cet amour, il a regardé tout autour de lui ce qu'il avait de meilleur. C'est-à-dire son fils. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, il ne nous a pas estimés à l'or ou à l'argent. Il ne nous a pas estimés aux pierres précieuses. Il nous a estimés au sang de son fils Jésus-Christ, à la vie de son fils Jésus-Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfant de Dieu, enfant de Dieu. Parfois, plus nous regardons à toutes ces choses, nous ne saisissons pas la portée de l'amour de Dieu pour nous. Nous ne saisissons pas les témoignages de l'amour de Dieu pour nous. Comme Paul pouvait dire, peut-être nous aurons en a parlé, il parle de ces dimensions, de la largeur, de la profondeur, de la longueur, de l'amour de Dieu. Parfois nous ne saisissons pas la profondeur de l'amour de Dieu, du témoignage de son amour. Il nous a sauvés de la perdition éternelle, du naufrage de notre vie. Tu sais comment tu es allé au naufrage s'il n'était pas intervenu. Comme le psalmiste dit, sans ta grâce, notre vie serait bien vite dans la demeure du silence. Plusieurs ont échappé à cet amour et lorsqu'ils l'ont voulu les toucher, c'était déjà tard. C'était déjà tard pour leur vie. Alors comment allons-nous répondre à l'amour éternel de Dieu, à cet amour de Dieu? Une fois de plus, comme je l'ai toujours dit, tu dois croire à cet amour. Que ton cœur croie à l'amour de Dieu pour toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne table pas sur des choses qui sont passagères. Me voyez
quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il n'a pas épargné celui qu'il avait de meilleur, ce qu'il avait de meilleur, son Fils. Il a livré pour toi. Tu dois croire en cet amour. Tu ne dois pas les mesurer aux choses de ce monde. Tu ne dois pas les mesurer à la misère peut-être que tu es en train de traverser. Tu ne dois pas les mesurer peut-être à la souffrance qui frappe à ta porte ces derniers temps. Tu ne dois pas les comparer à ce que le monde vit actuellement, à cette pandémie-là. Son amour est au-delà de cela. Peu importe le complot de l'homme, mais le complot de l'homme ne saurait changer son amour à ton égard. Ainsi, tu dois croire à l'amour de Dieu. Bien-aimé, crois à l'amour de Dieu. Accepte son amour. Tu vas vivre les effets de son amour dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans toute ta destinée. Car nos destinées sont dans sa main. Prions. Seigneur, je te prie encore en ce matin. Pour un cœur qui est en train de nous suivre. Laisse que ce cœur puisse croire en ton amour. Peut-être à cause de la déception, ce cœur a cru que toi aussi tu étais comme celui qui l'entoure et celui qui a été le sujet de sa déception. Mais tu es au-delà de ça. Et en ce matin, tu veux que nous puissions voir l'amour que tu nous témoignes. L'amour qui a fait de nous enfants de Dieu. Nous qui n'étions pas un peuple, loin des promesses, loin des alliances, mais par ton Fils Jésus-Christ. Tu as fait de nous des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Tu as brisé les murs d'inimitié. Des deux, tu n'en as fait qu'un seul. Et tu as fait de nous tes héritiers et co-héritiers avec ton Fils. Les héritiers de la promesse, les héritiers des grâces de Dieu. Parce que tu nous as témoigné ton amour. Donne-nous à croire en ton amour. Car il est tellement fort au-delà de toutes les considérations humaines. Soutiens ton peuple encore en ce matin. Soutiens ces frères, cette sœur qui est sur les lits d'hôpital, peut-être qui nous suit. Et continue à lui manifester ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et bonne journée en Jésus-Christ.